Et là, ça fait. Et 5 là. 5, c'est quoi? Regardez bien ça comme. Ça comme ça fait deux fois dans un truc là, dans un verre. Avec on a tenu au médecin gobelé, on a tenu une lance pour verser quoi? Pour verser son contenu. On a tenu, on a traversé. Voilà lance. Voilà le gobelet le même, le jour là. Le même. On a traversé son contenu. Placer la cheville sous C, c'est quoi? C'est abreuver C. C'est lui la sortie. C'est comme ça. Donc, quand la mère allait à son bébé, le bébé c'est lui il a soifé et en l'allaitant par le sein, pas le sein parce que le sein c'est ça qui est la cédille. Le sein c'est la cédille. Le sein lui-même c'est sain. C'est la cédille. Le sein c'est 5, c'est la cédille. C'est ça. Et le bébé est la soifé. C'est comme ça. Allaiter le bébé, c'est faire quoi? Allaiter le bébé, c'est placer la cédille en bas de quoi? En bas de C. Placer la cédille sous quoi? À la sortie. Et automatiquement, ça fait quoi? Automatiquement, le cycle s'enlève. Le cycle disparaît. Encore, j'ai défini de réfléchir comme quoi le premier geste de la mère, quand le bébé pleure, c'est de l'allaiter. Et automatiquement, quand la mère allait faire le bébé, la plupart des cas, le bébé se fait quoi? Le bébé se tait. C'est comme ça. En effet, c'est 6 là. C'est 6 qui fait quoi? C'est 6 qui inquiète le bébé. C'est 6 qui inquiète le bébé, c'est lui qui le fait pleurer. C'est lui qui fait pleurer. Donc pour faire quoi? Pour l'annuler, il faut faire quoi? Il faut rapidement faire quoi? Il faut rapidement placer quoi? La cédille sous C. C'est-à-dire, il faut rapidement faire quoi? Allaiter le bébé. Il donne le 5. Pour annuler le 6. Alors c'est le 6 là, qui fait pleurer quoi? C'est lui qui fait pleurer, le bébé. Voilà pourquoi le bébé sort de sa mère à 9 mois de grossesse. Après 9 mois de grossesse. Quand le bébé sort avant 9 mois de grossesse, c'est pas bon. C'est dangereux, c'est pas bon. Pas bon. Le bébé qui sort prématuré, c'est pas bon. Le bébé doit sortir après 9 mois de grossesse. Parce qu'on était égal à 9. 9, égal à 9, c'est quoi? C'est 6 à l'envers. Donc, c'est la dire que 9 désavoue 6. 9 désavoue 6. Comme c'est le dit, se base, on va faire 10 à 6. Ça veut dire quoi? 9, elle est comme quoi? Comme 2 ou 6. 6 barres. C'est la dit 6 barres. Alors quand le bébé sort après 9 mois, il est sûr que quoi? Il est sûr que quoi? À sa sortie, il ne verra pas 6. C'est pourquoi il sort après 9 mois. Il s'assure que quoi? Que quand il va sortir, il ne verra pas 6. C'est comme ça. 6 c'est très dangereux. Donc, et c'est 6 qui fait pleurer le bébé. C'est 6 qui fait pleurer le bébé. Et dès qu'il pleure là, pour le faire quoi? Pour le faire taire, en même temps, il faut faire quoi? Il faut placer, il faut lui donner le sein. Qui est quoi? Qui est la cédille. Il y a la cédille, le bébé lui-même étant laissé la soifée. Donc il faut placer la cédille pour que quoi? Pour que le 6 soit en ville. Réfléchis, voyez-vous bien, c'est allaité. C'est allaité. Et regardez, le lait fait quoi? Le lait que donne la mère à son bébé. Le lait c'est quoi? La lettre. Regardez AI maintenant, parce que l'être là, c'est le L là, c'est E qui est là. Tandis que ici c'est AI, il s'exprime comme R ici. AI là, ça veut quoi? A la position 1 dans la famille, I est la position 9.
Pas la 19. À la place de 19, ça fait S. Donc, il lui parlait de la lettre S. Hmm? La lettre S, là, c'est quoi? Hmm? C'est ça qui est le bébé. Quand on place quoi? Quand on allait faire le bébé, c'est-à-dire quoi? On lui donne le sein. Hmm? C'est-à-dire quoi? On met 5 en bas de C. On place la cédille. Hmm? C'est changé de son. C'est ce qu'on se donnait avant comme quoi? Comme son. Comme S. Le S là, c'est ça qui est le lait. Le lait que le C là, la sortie là, va abreuver. Le bébé là va abreuver. C'est comme ça. Encore. Hmm? Okay.